Bonjour, voilà, on va vous indiquer un petit peu, oui, on a monté une association avec Laurent, bonjour à tous, on va vous indiquer comment vous joindre à la manade, on va faire des événements tous les week-ends, de la musique du soleil, donc là nous allons au pays des gringos, au pays des por favor, donc là vous prenez, comme vous venez de Perpignan, la quatre voies qui mène au Barcarès, et vous allez voir donc sortie Saint-Hippolyte, c'est la sortie 7. C'est pas la première depuis, à droite, c'est la deuxième à droite. Depuis donc, Perpignan. Depuis Perpignan, c'est sortie 7. Voilà, on va vous la filmer, regardez, comme ça vous pouvez pas dire, ah, on n'a pas trouvé. Sortie 7, Saint-Hippolyte Saint-Laurent, là on sort à droite. Vous voyez, si on va tout droit, on va au Barcarès, c'est à Canet, donc on va pas tout droit, on va à droite. Et ensuite, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Là, on va arriver à rond-point. Alors, en rond-point, on prend à gauche. Voyez-vous ? Paf, paf, paf. C'est pas dur quand même. Voilà, nous prenons à gauche. Et on tourne là. Aïe, aïe, aïe. Le gringo a fait tomber les bouteilles. Et là, on va tout droit. Regardez, hop. On passe sur le pont de la voie rapide, en on fin de compte. On passe sur le pont de la 4 voies. Voilà. Et on va arriver second rond-point. Alors celui-là... Il faut être vigilant parce qu'il faut prendre un chemin sur la droite, tout de suite à droite. La première à droite. Ouais. Voilà. Donc on va vous le filmer, rond-point. Ok. À ce rond-point-là, vous prenez direction l'étang de Sals. Étang de Sals. De toute façon, on met des panneaux, vous indiquez. Hein. Il y aura des ballons aussi, ainsi que des flèches. Hein. Et là, vous voyez, un panneau ranch, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Parce que là, il faut suivre ces panneaux ranch. La manade, c'est un ranch. Il y avait des taureaux, il y avait des chevaux... Et on mettra des gringos qui vont jeter un hectare. Jobby, Joba, la 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 la. Il y aura des danseuses espagnoles. Et il y aura des brochettes, des merguez. On fera des michouilles, on fera tout. On vous fera que plaisir, vous verrez. Que du bonheur, ce sera que du bonheur. Donc là, vous êtes sur ce chemin, vous allez longer la 4 voies. Hein, c'est l'avantage de ne pas être dessus, tu vois. Tu sais pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de radar. Là, ils ne peuvent pas te prendre un centime. Et là, tu roules tranquille parce qu'il y a quand même des bosses. Hein. C'est le chemin de gringo. Alors, on va vous filmer le chemin comme ça, vous savez où vous allez. On prend soin de vous quand même, on veut pas que vous vous perdiez. Donc là, on continue. Ce chemin, toujours tout droit. C'est les bouteilles, c'est pour vous quand vous avez soif. Ça fait du bruit tout ça, hein. Regarde, et là, tu vas toujours tout droit. Toujours tout droit. Très agréable, la campagne déjà, c'est dépaysé là. Toujours tout droit. Et au moment où tu vois la camionnette blanche là, la gauche, tu vois une camionnette blanche, là il y a un poteau, et bien on prend pas, toujours tout droit, on va arriver à un stop, et à ce stop, vous prenez à gauche, donc l'arrivée à ce stop, nous prenons à gauche. L'avantage, c'est pour repartir dans la manade, directement, vous arrivez sur la voie rapide. Et un gros avantage aussi, c'est qu'étant donné que nous tournons en temps réel, si vous mettez la vidéo pour accéder à la manade, automatiquement, vous trouverez le chemin et à peu près le même temps de déplacement que nous. Voilà, et on roule du stop qu'on vient de quitter, on roule à peu près 100 mètres. Et après, on fait gaffe parce que vous avez deux petits plots blancs et il y a marqué « Ranch » à droite. Et bien là, vous prenez à droite. Là, on prend à droite. Voilà. Mais enfin, attention, il y a des nids de poules sur la route, mais c'est normal, on va dans les ranchs. Et là, donc, sur ce chemin, on va toujours tout droit. Et voyez-vous, c'est pas difficile. Regardez le panneau, il y a marqué ranch. Vous le voyez à gauche? Et bien là, on va
voyez, on continue sur la route, c'est tout simple en fait. Il faut toujours rester du côté de la 4 voies. Vous voyez, la 4 voies sur votre droite, mais vous êtes sur le chemin qui longe la 4 voies. Voilà, et là on est bientôt arrivé à la balade. Alors le radar, si flash, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour vous, c'est pour la voie rapide. Hein. Ah oui, le radar là, voilà. La tirelire de l'État, regardez. Voilà, ça c'est le jackpot ça. Là, il est beau, hein, le photomaton. Voilà, photomaton, là on arrive presque près de la manade, vous allez voir. C'est sympa, c'est dépaysant. Hein. Je comprends pas pourquoi Florent Pagny est allé s'isoler en Patagonie. Là, c'est la Patagonie, mais à côté de la maison. Eh oui. On continue, on longe toujours la 4 voies, donc sur ces petits chemins. Et à un moment donné, on va prendre à gauche. À un moment donné... On prend à gauche. Donc là, vous avez toujours ce repère du panneau, le ranch. Vous voyez ? Vous suivez la flèche, vous prenez à gauche. Voilà, toujours un petit chemin. Et là, vous voyez ralentir promenade équestre. Là, on ralentit parce que là, on va prendre à droite. Dès que vous voyez le miroir, là, vous prenez à droite. Et là, nous arrivons à la manade. Donc là, ici, c'est une résidence des Indiens. Hein, les Kushikusha. C'est des gens, ils sont Kushikusha. Tu verras, c'est sympa, ils sont Kushikusha. Ils sont là, ils ont acheté et c'est parti. Et là, nous arrivons dans le chemin qui sent bon, hein, les brigades, ça va, les cavalios, les toroches. Et là, voilà, nous arrivons à la manade. Bienvenue. Voilà. C'est ici que la fête va se dérouler de dimanche. Et c'est ici que la fête va se dérouler tout le temps. Voilà. Alors, c'est pas compliqué, ça prend... Allez. 7 minutes et 11 secondes depuis la sortie de la voie rapide. 7 minutes et 11 secondes, c'est tout simple. Et là, après, c'est un merveilleux endroit. Les amis, à très bientôt. Et si vous voulez vraiment vous amuser et pas vous ennuyer, passez un bon moment. À la manade Notre-Dame catalane. Voilà, la manade Notre-Dame catalane.